Bonjour les tricopines et les tricopins, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gulle pour réaliser ce magnifique sac. Ce sac est réalisé en coton cupidon, donc totalement au crochet. On fait d'abord ces granny square, moi j'appelle ça des petits carrés, avec plusieurs couleurs. Donc utilisez les couleurs de votre choix, ce que vous avez sous la main, ce qui vous reste. La seule condition, c'est d'utiliser la même gamme. C'est-à-dire, si vous utilisez le coton Cupidon, il faut que toutes vos couleurs soient du coton Cupidon. Si vous utilisez un autre coton, il faut que ça soit tous de la même marque ou de la même longueur pour que vous ayez un résultat régulier. Donc, voilà le sac totalement réalisé au crochet des tricopines. Donc, ça, c'est le fond. C'est vraiment les sacs qu'on retrouve aujourd'hui dans énormément de magasins. C'est très, très, très à la mode. Et vous allez pouvoir le réaliser, regardez, vous-même avec les couleurs de votre choix. Il est normalement très, très simple à réaliser. Nous avons plusieurs carrés. Donc, vous combinez les couleurs selon vos envies. Et ensuite, nous allons assembler de façon, vous allez voir, assez régulière, c'est-à-dire sans couper le fil. On va assembler nos carrés sans couper le fil, sauf bien sûr, vous allez voir, quand nous allons assembler les côtés. Ensuite, nous allons faire notre bordure. Une fois que nous avons assemblé le sac, on va faire notre bordure en rond. Alors, nous avons des brides, le point pop-corn ici. Nous avons des mailles serrées et des demi-brides. Et des demi-brides, c'est vraiment très très simple. Des mailles serrées, regardez pour l'aisance, pour pouvoir tenir le sac comme ceci. Donc les dimensions, les tricopines, c'est à peu près, regardez, quand vous pliez comme ceci votre sac, avec le fond, vous avez 27 cm de hauteur totale. Sinon, vous avez 10, 20, excusez-moi, vous avez 27 cm de hauteur totale là, sans compter le fond. Si vous comptez le fond, vous avez à peu près 34, 35 cm avec le fond ici. En largeur, vous avez, en comptant que la partie centrale ici au milieu, sans compter les contours, les côtés, pardon, vous avez 36 cm ici. Donc, comme c'est un sac, regardez, quand vous allez le porter, vous avez aussi les côtés ici, donc qui vont venir, regardez, comptabiliser. C'est très compliqué de vous le montrer correctement, mais il est vraiment, regardez, magnifique. Pour ce qui est de la référence des couleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez faire comme moi dans les mêmes coloris, dans la partie ici, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et je vous donne des références de ces couleurs, sans quoi vous choisissez les couleurs de votre choix selon vos envies, vos goûts et tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans la partie description, je vous présente le coton. Donc, dans l'ensemble, vous avez vu, il est très simple. C'est un sac en coton. Vous pouvez très bien, avant de l'utiliser, le repasser, donner un petit coup de vapeur pour qu'il soit bien droit. Bon, sans quoi c'est pas la peine. Vraiment, le coton Cupidon, excusez-moi, est vraiment un coton incroyable. Regardez, il est doux et en même temps très épais. Donc, ça vous fait vraiment un très joli sac, assez solide. Vous l'utilisez soit en sac de tous les jours, soit en sac de plage. Vous en faites ce que vous voulez, vraiment, les tricopines. Moi, je vous conseille de faire une doublure à l'intérieur. Comme, regardez, nous avons des trous. Donc, si vous mettez vos clés, si vous mettez des stylos, ça risque de, regardez, de pointer vers l'extérieur, donc de sortir vers l'extérieur. Je vous conseille de faire une doublure. Comme je l'ai dit dans la partie vers la fin de la vidéo, la doublure, vous pouvez même, j'ai pensé à ça, vous pouvez prendre un vieux t-shirt à vous, par exemple, comme je le disais. Supposons que ça, c'est le t-shirt, donc je vous le dis à la fin de la vidéo aussi, mais je vous le dis là maintenant aussi. Vous coupez votre t-shirt comme ceci sous les manches. Vous avez déjà vos coutures sur les côtés. Vous prenez votre t-shirt, vous faites la couture donc en bas. Vous le glissez à l'intérieur et ensuite vous faites une couture comme ça tout le long
pas ici en haut, mais ici. Regardez là où nous avons commencé à faire nos demi-brides. Vous faites comme ceci, vous allez coudre et ça vous fera vraiment une doublure, peu importe la couleur. Donc vous pouvez aussi, comme je le dis, prendre une vieille chemise, une vieille robe que vous avez, une vieille jupe qui vous sert à rien, qui est dans le placard. Donc vous mesurez et vous faites à peu près comme je vous ai expliqué, parce que moi, franchement, en matière de couture, je ne suis pas très douée, donc je ne pourrais pas vous montrer comment faire une doublure, mais j'ai eu cette idée et je pense que moi, je ferai la doublure de cette façon-là. Donc, si vous avez une machine, vous pouvez coudre sans aucun problème, regardez, à la machine, sans quoi vous faites ça vite fait à la main. Voilà les tricopines et les tricopins, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre sac granny, j'ai utilisé, regardez, j'ai déjà préparé mes petits granny square, mes petits carrés. Donc moi, j'ai utilisé 5 couleurs. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous avez chez vous. Donc, vous pouvez utiliser vos fonds de coton. La seule condition, il faut que ça soit de la même gamme. Pour ma part, j'ai utilisé le Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, j'ai choisi 5 couleurs que j'avais. Et ensuite, j'ai fait mes carrés avec ces 5 couleurs. Dans la palette Cupidon, quand vous allez sur la boutique de Lydia Crochet Tricot, dans la boutique, vous allez voir, vous avez vraiment une palette de couleurs incroyable, un large choix de couleurs. Donc, vous pouvez faire les combinaisons de votre choix. Alors, il vous faudra, au total, il nous faut 6 couleurs. Il vous faudra 5 couleurs, donc une pelote de chaque couleur que vous avez choisie. Ça peut être des petits fonds de pelote que vous avez. Enfin, ce que vous avez, vous pouvez le faire en 5 couleurs, 6 couleurs, 8 couleurs, 15 couleurs. Vous choisissez ce que vous voulez, vraiment ce qui vous fait plaisir. Et ensuite, il va vous falloir, donc je vous dirais peut-être, moi j'ai prévu 2 pelotes. C'est la couleur de base avec laquelle je vais assembler, avec laquelle je vais faire les anses. Donc, pour pouvoir porter mon sac. Et je vous mettrai les références couleurs dans la partie description. Sur le côté ici, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus. Et là, je vous mettrai les références couleurs. Parce que, donc, le violet, il me reste encore 2 pelotes non entamées. Pour le vert, c'est pareil. Mais en ce qui concerne le bleu, c'est ma dernière pelote. En ce qui concerne le orange, pareil. Et le rose, pareil. Donc moi, je vous mettrai les références des couleurs si vous voulez le faire comme moi. Sinon, vous faites vraiment ce qui vous plaît. Et votre base, vous pouvez même regarder, faire la base tout en noir si vous voulez assembler en noir. Ce qui mettra beaucoup plus en valeur ces jolies couleurs. Moi, j'ai choisi la couleur beige crème, donc c'est la couleur S017. Pour l'instant, j'ai prévu 2 pelotes. Si ça suffit pas, j'aurai une troisième, donc je prendrai une troisième. En ce qui concerne le crochet, j'ai pris un crochet numéro 3. Si vous crochetez trop serré, prenez même 3,5. Si vous crochetez trop large, prenez un 2 et demi. Pourquoi? Comme c'est un sac, il faut que nos granny soient pas trop durs, mais pas trop lâches non plus. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment réaliser. Moi, j'en ai fait. J'ai combiné seulement ces 5 couleurs. Seulement, regardez. Je vais vous montrer les différentes combinaisons de couleurs. Donc, vraiment, j'ai combiné, regardez, les différentes couleurs comme ceci. Donc, j'ai fait vraiment au hasard, j'ai fait des couleurs au hasard, j'ai pris à chaque fois une couleur et j'ai fait, mais je n'ai pas réfléchi aux combinaisons, j'ai vraiment fait au feeling. Par exemple, ici, j'ai commencé avec le vert, ensuite j'ai enchaîné avec le bleu, le violet, le orange et le rose. Ici, par exemple, j'ai commencé avec le bleu, le rose, le violet, le orange. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même faire en couleur unie si vous désirez. Vous pouvez faire votre sac en couleur unie. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser un. Ensuite, voilà, regardez, vraiment au hasard, j'ai le rose. Je prends ma couleur rose et j'entoure comme ceci, regardez. Autour de mon doigt, regardez,
le fil qui est relié à ma pelote est en haut de mon doigt. C'est comme ça que moi je fais. Regardez, je prends la première boucle, je fais passer par-dessus, comme ceci, regardez, et je passe mon crochet là. Et j'ai fait un nœud. Vous faites comme vous voulez votre nœud. Ça, c'est vraiment si vous ne savez pas comment le faire. Ensuite, nous allons venir faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je viens, regardez, en venant piquer dans la toute première maille, je viens fermer avec une maille coulée, comme ceci. Voilà. Maintenant, je fais 3 mailles. 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté. Je rentre au milieu, regardez, de ce petit cercle. Et je fais une bride simple. Maintenant, je fais deux mailles chaînettes, un jeté. Et je rentre toujours dans le même espace. Et je fais, regardez, une demi-bride. Vous avez vu, je recommence. Un jeté, je rentre dans cet espace. Et je fais une bride, regardez, j'ai deux mailles sur mon crochet. Un jeté, je rentre au milieu et je fais, regardez, une demi-bride. J'ai une, deux, trois mailles sur mon crochet. Un jeté et maintenant je viens prendre ces trois mailles. Une, deux mailles de séparation. Un jeté, je rentre dans le même espace, regardez, toujours dans ce petit rond et je fais une demi-bride. Je laisse deux mailles en attente. Un jeté, je rentre dans l'espace et regardez, je prends deux mailles ensemble et maintenant j'ai une, deux, trois mailles et je prends ces trois mailles ensemble. Une, deux mailles chaînettes. Je vais faire 8 groupes de deux brides comme ceci. Je rentre dans l'espace, je fais une demi-bride, je prends deux mailles, il me reste deux mailles. Un jeté. Je rentre dans l'espace et je fais deux mailles ensemble. Un jeté, une, deux, trois mailles, je prends les trois mailles ensemble. Une, deux mailles. Alors, je voudrais parler de ces crochets, les tricopines. Vraiment, vraiment. Moi, j'avais, comme je vous l'avais dit, je pense une fois dans un tuto, j'avais un crochet classique. Vraiment, ce que j'achète à droite, à gauche, sans faire attention. Et ensuite, il me manquait des tailles et mon numéro 3 dans le crochet que j'avais commençait à se tordre en fonction de ce que je faisais. Donc, et comme je voyais sur internet, tout le monde nous parle des crochets tulipes, j'ai voulu tester. J'ai commandé dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Et sincèrement, les tricopines, je ne suis absolument pas déçue. C'est vraiment un plaisir de crocheter avec. Alors, je vous parle à mon nom pour ma part. Donc moi, je sais faire du crochet, vous le savez, des fois je vous propose. Mais le problème du crochet, c'est que moi j'ai mal à ce niveau-là. Vous savez, à force de tourner comme ceci, et j'ai tendance à aller vite, et comme ça avance très vite le crochet, j'ai tendance à avoir envie de terminer très vite. Donc j'ai souvent mal, c'est pour ça que je ne fais pas trop de crochet. Et avec ça, vraiment, c'est révolutionnaire. Alors vous voyez tout ça. J'en ai fait 18, il nous en faut 19. Donc j'ai fait les 18 en 2 jours et je vous promets que je n'ai absolument pas mal au poignet. C'est vraiment incroyable. Donc si vous pouvez, je vous conseille vraiment d'acheter ces crochets qui sont vraiment magnifiques. Donc petite parenthèse, je continue. Donc j'ai fait une demi-bride, une bride incomplète plutôt. Je rentre dans l'espace, regardez, je prends les deux mailles ensemble. Un jeté, j'ai trois mailles et je passe à l'intérieur de ces trois mailles. Une, deux mailles. Un jeté, je viens rentrer dans cet espace, toujours dans le même, regardez, le trou central. Une bride incomplète. Un jeté, je rentre dans le trou, regardez, je prends les deux mailles ensemble, il me reste trois mailles. Un jeté, je prends ces trois mailles. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6. Je dois en avoir 8. 2 mailles de séparation, un jeté. Je rentre toujours dans le même espace au centre, 2 mailles ensemble.
un jeté, une bride incomplète, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je prends ces 3 mailles ensemble. Une, 2 mailles de séparation. Donc vous pouvez légèrement pousser comme ceci pour faire de la place. Je rentre dans la maille dans le centre. Une demi-bride, un jeté. Je rentre dans le même espace et regardez, 2 mailles ensemble, un jeté et je prends les 3 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour le tout premier, nous n'avons pas fait ceci. Nous sommes montés avec 3 mailles et ensuite nous avons fait une bride. Et maintenant, 1, 2 mailles de séparation et je viens piquer au sommet de ma troisième maille et je fais une maille coulée. Je vous montre. 1, 2, 3, je pique dans la maille, une maille coulée. Ensuite, regardez, là j'ai une bride. Je viens ici, au milieu, je rentre et je fais une maille serrée. J'ai avancé une maille et maintenant je coupe, je vais changer de couleur. Coupe avec ce que j'ai sous la main. Maintenant, regardez, je vais prendre une autre couleur, vraiment au hasard. Après, vous pouvez combiner comme vous avez envie, hein. Vous pouvez faire tout pareil. Donc, je viens, alors vous avez une autre méthode aussi pour faire votre première maille. Regardez, vous voyez le petit bout de laine est là, je passe mon crochet comme ceci. Je vous montre comme ceci. Regardez, je tourne. Vous voyez? Ça me fait une boucle, je passe. Et voilà ma première maille. Ensuite, je prends mon petit rond que j'ai fait. Je vais dans n'importe quel espace, ça n'a aucune importance. Regardez, je passe dans l'espace, je prends ma première maille ici. C'est juste pour attacher et je fais 3 brides. 1, 2, 3 brides. Mon deuxième rang. Un jeté, je rentre toujours dans le même espace et je fais une bride. 1, 2 mailles de séparation. Un jeté, toujours dans cet espace, regardez. Une bride incomplète, un jeté. Donc ici, n'hésitez pas à prendre votre coton comme ceci et le faire, regardez, avancer comme ceci. Je refais une bride incomplète, j'ai 3 mailles et je prends les 3 mailles ensemble. 1, 2 mailles de séparation. Un jeté. Regardez, votre laine derrière, le petit bout de coton que vous avez, vous le prenez comme ceci, regardez, vous le mettez dessus. Maintenant, vous allez dans l'espace suivant. Un jeté et nous allons faire une bride incomplète. Regardez, je rentre, j'ai 3 mailles, je prends les deux ensemble. Un jeté, je rentre dans le même espace, regardez, j'ai 4 mailles, je prends les 2 mailles ensemble. Maintenant, j'ai 1, 2, 3 mailles, un jeté et je prends ces 3 mailles. Ça nous fait des mini pop-corn, comme des pop-corn. 1, 2 mailles de séparation et je, dans le même espace, je refais une bride incomplète, une deuxième bride incomplète, un jeté et je prends les 3. Deuxième rang, on va tout faire ensemble les tricopines, comme ça sera plus simple. Une, deux mailles, un jeté, je rentre, regardez, dans l'espace qui suit. J'ai une, deux, trois mailles, je passe mon crochet dans deux mailles. Je laisse deux mailles en attente. Un jeté, je rentre dans cet espace, j'ai une, deux, trois, quatre mailles, je passe mon crochet dans deux mailles et maintenant il me reste une, deux, trois mailles. Un jeté et je passe dans les 3 mailles. Une, deux mailles.
Je fais 2 mailles de séparation à jeter. Dans le même espace, j'ai 1, 2, 3 mailles. Je prends 2 mailles ensemble, je laisse 2 mailles en attente. Un jeté, je rentre dans le même espace, j'ai 4 mailles. Je rentre dans 2 mailles, je sors, j'ai 3 mailles, un jeté, je prends les 3 mailles. 1, 2 mailles de séparation. Dans chaque espace, vous avez 2 groupes de 2 brides. Donc, on continue. 3 mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, regardez, j'ai 3 mailles. Je vais faire des brides incomplètes. Une, la deuxième. Toujours, je prends 2 mailles ensemble. Un jeté. La troisième. Et je prends 2 mailles ensemble. Une fois que j'ai, regardez, 1, 2, 3 brides incomplètes, ce qui me fait 1, 2, 3, 4 mailles sur mon crochet. Un crochet, je passe mon crochet à l'intérieur et je fais 1, 2 mailles de séparation et je vais dans l'espace suivant. Et je fais 3 brides incomplètes et ensuite les 3, je passe à l'intérieur de mes 4 mailles, 1, 2, 3 mailles de séparation. Et maintenant, je passe regarder dans l'espace suivant. Donc, comme je vous ai dit, votre laine, vous la laissez comme ceci, au-dessus de votre travail. Regardez ici. Et vous continuez de travailler normalement. 3 brides incomplètes dans chaque espace, séparées de 1, 2, 3 mailles. Donc ici, regardez, je continue, je prends mon fil derrière, une deuxième bride incomplète et troisième bride incomplète et ensuite je passe mon crochet à l'intérieur des 4 mailles, 1, 2, 3 mailles de séparation et je continue. Je vais vous dire au total combien vous devez en avoir. Mailles, donc ici je fais encore un pop-corn avec 3 brides incomplètes une, deux, trois mailles dans l'espace suivant. Regardez, dans chaque espace je fais un pop-corn avec 3 brides incomplètes, une, deux, 3. Donc je vais essayer d'aller un petit peu vite parce qu'au début je pense vous avoir bien montré. 1, 2, 3. Donc je voulais vraiment vous montrer pas à pas 3 mailles chaînettes et dans l'espace suivant une. Donc je fais des pop-corn avec, comme je vous ai dit, 3 mailles incomplètes et ensuite voilà. 1, 2, 3. Une, deux, trois mailles chaînettes dans l'espace suivante. Une, deux, trois. Une, deux, 3 mailles et dans mon dernier espace ici, 1, 2, 3 et 1, 2, 3 mailles et je viens regarder au sommet ici de ma troisième maille, je fais une maille coulée et ensuite regardez, je passe comme ceci à l'intérieur de mes mailles. Je fais une maille coulée et ensuite je viens dans cet espace ici au milieu et je refais une maille coulée et ensuite je fais une maille chaînette et je coupe. Voilà. Alors, au début, nous avons fait 8, 8 groupes de 2 brides incomplètes, de pop-corn on va dire.
Ensuite, nous en avons fait une, deux, trois. Alors, je vais compter à partir d'un point précis. Voilà. D'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, nous en avons 16. Et maintenant, nous en avons, regardez, les groupes de 3 brides incomplètes. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aussi. Maintenant, nous allons former, regardez, nous comme nous avons un rond, maintenant nous allons former les coins. Donc, je prends une autre couleur. Je vais prendre le violet. Donc, des références, je vous les mettrai, les tricopines. Je vais prendre ici. Donc, vous faites votre première main. Vous pouvez très bien regarder les tricopines. Vous prenez n'importe quel espace, n'importe lequel. Vous pouvez très bien faire comme ceci aussi. Regardez, vous prenez votre fil comme ceci et vous faites votre première maille, deuxième, troisième, quatrième. Ici, regardez, on fait quatre mailles. Un jeté, deux jetés. Nous allons faire des doubles brides. J'ai un, deux jetés sur mon crochet, plus ma première maille ici, ça me fait trois. Je rentre dans l'espace. Regardez, je prends deux mailles. Un jeté, je prends deux mailles, c'est-à-dire que je passe à l'intérieur de deux mailles, un jeté et je passe à l'intérieur des deux mailles. Un, deux jetés autour de mon crochet. Je fais des doubles brides. Je passe dans le même espace, je passe à l'intérieur de deux brides. Ensuite, je passe à l'intérieur de deux brides et enfin, je passe à l'intérieur de deux brides. J'ai une, deux, trois brides. Une, deux mailles de séparation. Regardez. Un jeté, deux jetés. Je continue à faire mes doubles brides seulement pour les coins. Donc, je fais un jeté, je passe à l'intérieur de deux mailles. Mon crochet, un jeté, je passe mon crochet à l'intérieur de deux mailles. Un jeté et je passe mon crochet à l'intérieur des deux dernières mailles. Un, deux mailles. Je fais deux jetés et je passe à l'intérieur de deux mailles une deuxième fois et une troisième fois. 1, 2 mailles, 1, 2 mailles, 2 jetés sur mon crochet, je passe à l'intérieur de la même maille, je forme mes coins, donc 1, 2, 3. Donc je passe 3 fois à l'intérieur de mes mailles, j'ai fait des doubles brides. J'ai 2 groupes, regardez, 1, 2 groupes de 3 brides, de 3 doubles brides séparées de 2 mailles. Maintenant, regardez, je ne fais rien, je fais juste un jeté et je viens dans l'espace ici et je vais faire 3 brides. Une, des brides simples, regardez, une, deux. Un jeté, je prends les deux mailles, ensuite les deux mailles suivantes. Un jeté, je vais dans l'espace suivant. Je passe mon crochet à l'intérieur de deux mailles, ensuite à l'intérieur des deux mailles. Un jeté, deux. Un jeté, je passe dans l'espace, dans le même espace. J'ai fait, regardez, 3 brides dans chaque espace. Un jeté, dans cet espace-là, je vais faire 3 brides. Une, deuxième bride et troisième bride. Et maintenant, ici, je vais former mon deuxième coin. Un, deux jetés autour de mon crochet. Je rentre dans l'espace suivant et regardez, un jeté, je passe mon crochet dans deux mailles. Un jeté, je passe mon crochet dans deux mailles. Un jeté et je passe mon crochet dans les deux dernières mailles. Un, deux brides. Je passe mon crochet dans le même espace. Une, deux, trois fois. Un, deux jetés, donc des doubles brides. Deux mailles ensemble, encore deux mailles ensemble et encore deux mailles ensemble. Une, deux mailles de séparation et dans le même espace, je fais deux jetés et je continue à faire mes doubles brides.
c'est seulement pour mes coins. Un jeté et je viens dans l'espace qui suit faire trois brides. Simple, une, deux, trois. Un jeté, je viens dans l'espace suivant, une bride, deux brides, trois brides. Un jeté, alors comme je vous ai dit, regardez, votre bout de coton du rang précédent, regardez, vous le posez comme ceci, vous voyez ici. Et on continue de crocheter, je vais faire une bride, deux et trois brides. Donc j'ai, vous voyez, mon coin, ensuite trois groupes de trois brides, un, deux jetés et je viens faire mon troisième coin. Une, deux, regardez, en trois fois. Double bride, je prends les deux mailles, ensuite les deux mailles qui suivent et les deux dernières mailles. Un, deux jetés et je fais mon troisième double bride. Une, deux mailles de séparation. Deux jetés et je viens faire une, deux jetés et je viens faire deuxième double bride, deux jetés. Donc là j'avance, j'espère avoir bien expliqué en début de rang. Donc mon troisième coin. Maintenant regardez, un jeté, trois brides, simple, une, deux, trois. Un jeté, une, deux, troisième bride et un jeté dans l'espace qui suit, une, deux, trois brides. Vous voyez, ça commence à se, le carré pardon, commence à se former. Et maintenant, une, deux, jeter et je vais dans l'espace suivant et je vais faire mes doubles brides. Trois doubles brides, une, séparée de une, deux mailles, chaînette, double bride et je vais faire trois doubles brides. Une, deux, un jeté, regardez, dans l'espace suivant, trois brides. Simple. Dans l'espace qui suit, trois brides simples. Et dans le dernier espace ici, une, deux, trois brides. Et maintenant, regardez, après notre groupe, notre dernier groupe de trois brides simples, nous allons venir au sommet. Regardez, une, deux, trois, ici, quatrième maille, vous rentrez votre crochet et vous faites une maille serrée. Ensuite, regardez, dans la maille qui suit, une maille coulée, excusez-moi, dans la maille qui suit, vous allez faire encore une maille coulée. Dans la maille, regardez, ensuite, en dernier, dans cet espace. Une maille coulée, c'est quand vous prenez, regardez, vous avez deux mailles, vous ne faites pas de jeté, vous passez à l'intérieur. Une maille chaînette et on vient couper. Nous avons terminé le quatrième rang et maintenant nous sommes au dernier rang. Voilà, nous avons formé, vous voyez, les coins. Et maintenant, donc, ma cinquième couleur. J'ai toujours combiné ces cinq couleurs. Je les ai pris, comme je vous avais vu, dans n'importe quel ordre. Ça n'a aucune importance, sauf si vous, vous avez envie d'avoir toujours le même ordre. Donc, maintenant, regardez. Vous prenez votre dernière couleur, le dernier rang. Vous faites votre nœud comme ceci. Votre première maille, si vous voulez. Maintenant, vous allez aller dans un coin. Regardez.
au milieu du coin et vous allez faire 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, un jeté, une bride simple, un jeté, une bride simple, une, deux mailles de séparation et nous allons faire 3 brides simples. Une, deux, trois. Maintenant, dans l'espace suivant, nous allons faire 3 brides simples. Maintenant, nous n'avons que des brides simples. Une, deux, trois. Dans l'espace suivant, une bride, deuxième bride et troisième bride. Dans chaque espace, vous allez faire 3 brides, sauf dans les coins. Donc une, deux, trois brides. Dans l'espace suivant, regardez ici, vous rentrez, vous allez faire 3 brides. Une, trois brides simples, deux, et 3. Donc, entre chaque coin, maintenant nous avons 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. Le coin, un jeté. Je vais dans cet espace et je vais faire une bride, deux et troisième bride. Ensuite, une, deux mailles, un jeté et dans le même espace, 3 brides simples. Maintenant, un jeté, regardez, dans l'espace qui suit ici, 3 brides. Une, deux, trois brides simples. Un jeté, dans l'espace qui suit, une, deux, trois brides. Dans l'espace qui suit ici, une, deux et trois brides. Dans l'espace suivant, ici, un groupe de trois brides. Maintenant, nous sommes, regardez, au coin. Donc le coin, un jeté et je vais faire trois brides simples. Une, deux, une, deux mailles. Dans cet espace, une, deux, trois. Dans cet espace, maintenant, je vais faire des groupes de trois brides. Un jeté dans l'espace qui suit, une, deux, trois. Un jeté dans l'espace qui suit. Mes espaces, c'est toujours entre les trois brides. Trois brides, un jeté dans l'espace suivant. Une, deux, trois brides. Et quand nous arrivons au coin, ici, on fait un groupe de trois brides simples. Une, deux. Trois brides, une, deux mailles de séparation. Dans le même espace, trois brides. C'est mon troisième coin, si je ne me trompe pas. Non, quatrième. Troisième coin, c'est ça, le quatrième est là. Et maintenant, regardez, dans l'espace qui suit, une, deux. Il est vraiment, vraiment très simple. Vous allez voir. Vous allez en faire un, deux et ensuite vous allez mémoriser. Il vous en faut 19 pour faire un sac. Sauf si vous désirez le faire plus grand, il faudra faire plus.
Donc 3, pardon, pas de maille de séparation. Donc dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3 brides. Dans le dernier espace, 3 brides simples. 1, 2 et 3. Et maintenant, regardez, je viens toujours au sommet ici faire une maille coulée. Je rentre, regardez, ça n'a aucune importance, c'est juste pour avancer. Vous rentrez dans l'espace qui suit, une maille coulée. Dans l'espace qui suit, regardez, pas de jeté, rien du tout. Je fais passer ma maille, mon crochet à l'intérieur de mes mailles et je fais une maille chaînette et j'ai terminé. Voilà. Voilà les tricopines, notre granny square, notre petit carré. Donc ensuite, je vous conseille de nettoyer vos fils au fur et à mesure. Regardez, l'avantage de faire conduire le coton, le fil, comme je vous ai montré, ça nous évite ensuite, nous, avec notre crochet, de faire passer à l'intérieur toutes ces fils. Donc faites-le au fur et à mesure, parce qu'après, ça va vous faire vraiment trop de travail. Dès que vous avez terminé, hop, vous coupez. Voilà. Voilà les tricots. Celui-là, le dernier, on le garde, on le coupera après. Maintenant, une fois que vous allez en faire 19, on va passer à l'assemblage. Avec, moi j'ai choisi, donc comme je vous ai dit, cette couleur, la S017, toujours dans la gamme Cupidon. Vraiment, c'est un plaisir de crocheter ce coton, il est vraiment, regardez, magnifique. Les couleurs sont sublimes, le mélange des couleurs, magnifique. Donc, amusez-vous, éclatez-vous, choisissez les couleurs de votre choix pour faire votre petit sac d'été. Donc, une fois qu'on termine nos 19 petits carrés, vraiment crochetés tous de la même façon, nous allons passer. Alors, maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Pour assembler, vous prenez n'importe quel coin. Il vous faut prendre un coin, donc celui que vous voulez, et votre couleur de base, votre couleur. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver le bout ici. Bon, c'est pas grave. Donc, je fais exactement comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous faites une petite boucle. Donc, j'ai choisi ce coin. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez le coin que vous voulez. Et nous allons faire 3 mailles. Chaînette et 1, 2 brides. Au total, ça nous fait 3 brides. 1, 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, nous allons faire 1, 2, 3 mailles. Exactement comme nous avons fait au rang précédent, dans chaque espace, vous allez faire 3 brides simples. Un jeté, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides simples, 1. Donc là, je passe, c'est simple, c'est comme nous avons fait le rang précédent. Je vais aller assez vite. Ici, donc notre 3 brides simples. Donc entre chaque coin, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 3 brides. Là, le coin, je vais faire 1, 2, 3 brides simples séparées de 2 mailles. 1, 2. Et dans le même espace,
une, deux et trois. Dans l'espace suivant, une, donc je vais faire trois brides. Dans l'espace qui suit, une, deux, trois. Dans l'espace suivant, une, deux, trois. Dans l'espace suivant, une, deux, trois brides. Dans chaque espace, je fais trois brides simples. Trois brides simples. Maintenant, un jeté et je vais faire une, deux, trois brides. Une maille. Vous voyez, j'ai fait un côté, le deuxième côté et je suis arrivée au niveau du troisième côté. Vous allez prendre une deuxième carré. Comme ceci, vous allez regarder. Donc ici, vous avez fait trois brides dans votre coin, une maille. Avec votre crochet, vous rentrez dans l'espace suivant, comme ceci, et vous passez. Et alors, attendez que je dise pas de bêtises. Pardon, on va aller sur l'endroit. Vous voyez l'endroit du travail face à vous, excusez-moi. Vous allez directement, vous faites un jeté et dans cet espace, vous allez faire trois brides. Une, deux, trois brides, comme ceci. Voilà. Maintenant, vous allez retirer et vous allez venir dans cet espace. Regardez. Dans l'espace, juste après votre coin, comme ceci. Avec votre crochet, vous venez récupérer. Je vais aller lentement pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, nous sommes comme ceci. Vous rentrez dans cet espace. Vous voyez, entre vos deux groupes, vos deux derniers groupes de trois brides. Vous mettez votre crochet comme ceci, vous rentrez comme ceci. Regardez, vous faites passer à l'intérieur et vous faites une bride. Vous voyez, vous allez être comme ceci. Ensuite, vous allez dans l'espace suivant et vous allez faire des groupes de trois brides. Une, deux, comme ceci. Regardez, je retire de mon aiguille, de mon crochet, pardon. Je viens chercher ici. Vous voyez, dans cet espace là, je rentre et je fais une maille. Ensuite, je vais dans l'espace suivant. Je fais une, deux, trois brides. Je vous montre, vous voyez, on assemble de cette façon-là. Donc, je viens dans cet espace. Regardez, dans l'espace suivant, je récupère ma maille comme ceci. Je fais une maille ici, une maille chaînette, et je prends mon deuxième, celui que j'assemble. Donc je fais un contour comme ceci, comme ceci. Je retire, regardez, la maille de mon crochet. Je rentre dedans, regardez, et je fais passer par-dessus, à l'intérieur, pardon, et je fais une maille. Je reviens ici. Et je fais une, deux, trois brides simples. À chaque fois, nous faisons des brides simples. Je retire mon crochet. Je rentre dans l'espace ici suivante, dans la partie où j'ai déjà fait le contour. Je récupère, regardez, ma maille. Je passe à l'intérieur. Je fais une maille chaînette. Et maintenant, je prends une, deux, trois mailles comme ceci. Vous voyez, donc je passe dans le dernier espace
comme ceci. Maintenant, et je fais une maille. Maintenant, regardez, un jeté et je viens dans mon coin ici. Et je fais une, deux, trois brides simples. Une maille chaînette. Je retire mon crochet et je viens ici, regardez, au milieu des deux groupes de trois brides simples. Regardez, au milieu, je rentre mon crochet, je sors, j'accroche et je fais une maille chaînette. Et maintenant, je reviens, regardez, ici, et je fais trois brides simples. Et maintenant, regardez, nous avons, vous voyez, assemblé nos deux morceaux. Maintenant, je vais crocheter ce côté. Trois brides, dans l'espace suivant, trois brides. Ce sont des brides simples, donc je ne me répète plus. Dans l'espace suivant, donc j'essaie d'aller vite parce que j'essaie de vraiment, je vais essayer de vous montrer jusqu'au bout. Donc la vidéo va être certainement très longue, mais c'est pas grave. Au moins, j'espère que vous pourrez réaliser ce joli sac d'été. En plus, comme vous pouvez le voir dans les magasins, on ne voit que ça. Voilà. Donc ici, je vais faire mon coin. Deux mailles de séparation dans le même espace. Trois brides. Dans l'espace qui suit, trois brides. Donc, vous voyez, j'ai fait mon coin normalement. Trois brides. Dans chaque espace, nous allons faire trois brides. Et dans cet espace, trois brides. Et on va faire trois brides dans le coin. Trois brides espacées d'une maille. Voilà. Nous avons notre premier morceau. On a commencé par le coin. On a fait un coin complet. On a crocheté le long, le deuxième coin. On a fait le deuxième côté. Ensuite, on a crocheté en assemblant un côté. Et ensuite, j'ai crocheté le deuxième et le troisième côté de mon deuxième carré. Maintenant, nous allons assembler. Donc, vous prenez votre troisième carré. Vous prenez un coin, à condition que, regardez, l'endroit soit toujours face à vous. On va dans le coin, un jeté, comme ceci sur votre crochet. On va dans le coin, on fait exactement ce qu'on a fait pour le premier carré. Et on va faire une, deux, trois brides. Je retire. Je vais faire une maille, pardon, je retire. Je viens, regardez, dans cet espace. Ici. Le côté beige, je rentre dans cet espace. Je prends comme ceci et je fais une maille. Et maintenant, regardez. Vous voyez, nous allons tricoter, crocheter dans ce sens. Dans ce sens, comme ceci. Donc, vous voyez, comme ceci. Et je vais faire
3 brides. 1, 2, 3 brides. Je retire. Je viens dans l'espace ici. Je passe. Vous voyez, je récupère ma maille. Je passe à l'intérieur et je fais une maille. Ensuite, je reviens dans l'espace qui suit de mon troisième carré. Et je fais 3 mailles. Je retire de mon crochet et je viens regarder dans l'espace suivant. Je récupère la maille que j'ai laissée en attente. Je fais passer comme ceci et je fais une maille serrée, c'est ça. Un jeté et je viens combler cet espace. 1, 2, 3 brides. Je retire, regardez ma maille. Je viens dans mon deuxième carré. Je passe à l'intérieur de ma maille. Je tire comme ceci. Regardez, je passe par en dessous et je fais une maille. Un jeté et je viens dans l'espace suivant. 1, 2, 3 brides. Je retire, je viens ici. Vous voyez, je reprends ma maille, je fais passer par en dessous et je fais une maille serrée. Et je viens dans l'espace qui suit. Une maille, une deuxième maille et une troisième bride, excusez-moi. Je viens regarder dans cet espace, je passe comme ceci, je fais une maille. Et maintenant, je fais un jeté et je vais directement regarder dans le coin. Je fais 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, une maille de séparation. Je viens ici, regardez. Je rentre dans cet espace et je fais une maille. Un jeté et je reviens dans le même espace et je fais 3 brides. J'espère que je vais pas trop vite les tricopines et que vous arrivez à comprendre. Nous avons, vous voyez, nos 3 morceaux. Maintenant, je vais crocheter le coin de celui-ci comme ceci. On va le faire ensemble. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite de façon à ce que vous puissiez voir. Donc, à chaque espace, 3 brides. Donc, dans chaque espace, je fais 3 brides simples. Ensuite, j'arrive au niveau du coin. Le coin, c'est 3 brides séparées de 2 chaînes, 2, un jeté et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, un jeté. Vous voyez exactement comme le deuxième. Nous avons assemblé. Ensuite, nous avons fait un côté et le deuxième côté. Nous avons assemblé un côté et crocheté deux côtés. Un jeté, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. L'idée, c'est de ne pas couper notre laine à chaque fois que nous assemblons. Et dans le coin, je vais faire 3 brides. Une maille.
Voilà. Nos 3. Donc, maintenant, si vous voulez que votre sac soit plus grand, donc bien sûr, il faudra faire plus de carrés, vous pouvez rajouter encore un carré comme nous avons fait pour le deuxième et le troisième. Si vous voulez vous arrêter à 3 carrés comme moi, nous allons maintenant donc faire le contour. Moi, je m'arrête à 3 carrés. Ça correspond à la largeur de mon sac. Donc, ici, j'avais fait une maille chaînette, j'en fais une deuxième. Un jeté et je viens faire mon côté avec 3 brides simples. Je fais le contour comme ceci avec des groupes de 3 brides. Un jeté dans l'espace suivant 2, 3 brides simples. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace qui suit, 3 brides. Dans l'espace qui suit, 3 brides. Maintenant, regardez. Nous sommes à notre, ici, à notre coin. Nous avions déjà fait un groupe de 3 brides. Je rentre dans le même espace et je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Ce sont des brides simples. Je vais faire 2 mailles. Et ensuite, regardez, entre les deux, ici, vous avez un trou. Vous allez rentrer comme ceci dans cet espace et faire une maille coulée. Ensuite, vous allez faire 2 mailles, un jeté, et dans cet espace, dans le deuxième carré, nous allons faire le coin et nous allons venir faire 3 brides, pardon. Vous voyez? Et maintenant, on continue de faire 3 brides. Alors, excusez-moi, mais je vais vraiment rapidement parce que là, je pense que c'est compris et c'est simple. Je ne vais pas vous ennuyer avec des vidéos trop longues. Donc, je vais aller rapidement. Et ici, regardez, j'arrive au coin. Comme ceci. Vous rentrez dedans. Vous faites 3 brides. 1, 2, une bride. Deuxième, troisième. 1, 2 mailles. Et vous allez venir, regardez, ici. Là où nous avons commencé à assembler, ici vous avez un trou. Vous rentrez et vous faites une maille coulée. Comme ceci. Vous voyez, vous ne faites pas de jeté, rien du tout. Vous passez à l'intérieur de votre maille. Vous faites 2 mailles. Un jeté, et dans cet espace, ici, nous allons faire notre coin. Ici, vous continuez, ici, dans chaque espace, vous faites 3 brides. Dans chaque espace, vous faites 3 brides et on se retrouve au coin. Alors, pour assembler, nous allons assembler maintenant le deuxième niveau, on va dire, donc la hauteur du sac. Donc, j'ai fait pour le coin 3 brides, 1 maille chaînette et ensuite je fais un jeté et je prends, regardez, mon morceau, mon carré face à moi. L'endroit face à moi. Et je vais passer, regardez, dans un coin de votre choix, mais toujours le coin, vous allez faire 3 brides. Comme ceci, je retire, regardez, ma maille.
Je viens ici. Ici, regardez. Je rentre dans ma maille et je tire. Et je fais une maille serrée. Un jeté et je viens dans l'espace ici suivant. Et je vais faire trois brides. Une, deux, trois. Je retire, je viens ici, regardez. Dans l'espace suivant, je passe mon crochet, je viens chercher ma maille, je la fais passer par en dessous et je fais une maille serrée. Un jeté et je viens sur mon morceau, mon carré et je fais trois brides. Je retire ma maille, je viens regarder dans l'espace ici, je récupère ma maille, je fais passer par en dessous et je fais une maille serrée. Un jeté et je vais faire une bride. Trois brides. Je retire, je viens ici. Je récupère ma maille, je fais passer par en dessous, un jeté et je fais une maille serrée. Et je viens dans mon espace suivant et je vais faire trois brides. Je retire, je viens ici, une maille serrée. Je viens dans l'espace suivant et je fais trois brides. Je retire et je viens ici. Je rentre, je tire et je fais une maille serrée. Maintenant, je suis à mon coin et je fais une, deux, trois brides. Une maille chaînette. Et maintenant, regardez, pour assembler, je viens ici. Là où nous avons, regardez, vous voyez, ici. Là où nous avons assemblé nos coins, ici, au milieu, regardez, au milieu de ce trou que vous avez ici. Je vous montre. Vous avez votre coin ici, et nous avions assemblé ici, regardez, au sommet. Ici, vous venez rentrer comme ceci et vous faites une maille. Et maintenant, on va faire trois brides. Voilà, vous avez vu, nous avons... Donc, je vous avais dit que nous allions faire tout le tour. Non, pas du tout. Nous allons faire juste un côté. Nous avons assemblé ici et ensuite, on a continué à faire nos groupes de trois brides. Maintenant, nous allons assembler notre 1, 2, 3, 4, 5e carré. Et le 5e carré, regardez, nous allons assembler d'un côté, ensuite du deuxième côté. Ici, pour le coin... J'ai fait trois brides, une maille. Ensuite, je fais un jeté. Je prends un coin, peu importe lequel, face à moi. Et je vais faire trois brides. Une, deux, trois. Une maille et je viens regarder comme ceci, ici. Dans cet espace et je viens récupérer ma maille et je fais une maille serrée. Un jeté et je fais une, deux, pardon, excusez-moi, pop, 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 voilà, un jeté et je viens dans l'espace suivant et je fais trois brides. Une, deux, trois brides. Je retire, je viens dans l'espace suivant, regardez, et je passe en dessous une maille serrée et je viens faire trois brides dans l'espace suivant.
Je retire, je mets comme ceci, comme nous avons l'habitude de faire. Je vais essayer d'aller vite. Il y a des points importants où je prendrai mon temps. Pour l'instant, ce sont des brides. Je retire, je viens dans la maille ici et je fais une maille. Trois brides dans l'espace qui suit. Regardez, quand vous superposez, vous voyez, ça correspond bien. Vous voyez, à chaque fois, au même niveau, c'est-à-dire ici, je rentre dans cet espace, je récupère ma maille et je fais une maille serrée. Et je viens faire trois brides. Maintenant, je retire. Je viens ici, regardez, je fais une maille. Et maintenant, regardez, dans l'espace, ici, c'est mon coin. Je fais une, deux, trois brides. Une maille chaînette. Et maintenant, regardez. Toujours ici au cœur. Regardez, ici. Je rentre, je passe comme ceci. Mon crochet, une maille. Vous avez vu, nous avons assemblé comme ceci. Maintenant, dans le même espace, ici, de mon coin, je refais trois brides. Je retire et je viens ici. Regardez, dans l'espace suivant et j'assemble comme ceci une maille. Dans l'espace suivant, regardez. Vous devez avoir ce rendu. Nous avons assemblé notre coin au milieu. Ensuite, nous avons fait trois brides dans le même espace coin. Et ensuite, regardez, on continue pour assembler. Donc, je retire ma maille, je viens, regardez, ici dans l'espace suivant, je passe en dessous et je fais une maille serrée. Et ensuite, dans l'espace qui suit, je fais trois brides. Je retire, je viens dans cet espace, regardez, je récupère ma maille, je passe. Donc jusqu'à maintenant, on fait exactement la même chose. Je vous ai montré le coin. Je retire, je viens regarder en face. Je rentre, je tire et je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace suivant. Nous allons faire l'autre morceau ensemble aussi. Trois mailles, je retire, je viens dans cet espace et je fais une maille. Trois brides, je retire. Je viens ici, regardez. Je récupère ma maille, une maille serrée. Et je suis arrivée au coin. Je vais faire trois brides dans le coin, une maille chaînette et je viens ici. Vous voyez? Et je viens ici, regardez, au milieu. Vraiment au milieu, je rentre mon crochet. Je viens récupérer comme ceci par en dessous, je fais une maille serrée.
et je fais 3 mailles pour mon contour, mon coin, excusez-moi, pour mon coin. Vous voyez, c'est une façon que moi j'apprends en même temps que vous d'assembler nos petits morceaux. Vous pouvez très bien les assembler un par un en faisant le contour. Et assembler, ça n'a aucune importance. Cette méthode-là vous empêche juste de couper le fil à chaque fois. Donc, maintenant, nous allons venir jusqu'ici. Donc ici, ce sont des brides. C'est simple et rien. Vous allez voir que c'est très amusant. Je viens ici et maintenant nous allons assembler notre sixième morceau. Donc pour le coin, je fais simplement 3 brides comme ceci, une maille et je laisse. Alors pour ce qui est des changements de couleur et tout, je ne fais attention absolument à rien. La seule chose à laquelle je fais attention, c'est mes contours. Vous voyez, j'essaie par exemple, ici mon contour c'est violet, ici c'est bleu, ici c'est orange. J'essaie par exemple de ne pas mettre deux contours roses l'un à côté de l'autre, c'est tout. Le reste, vous faites comme bon vous semble. Vous voyez, ici je vais faire le bleu. Comme ça, ici j'ai un rose, ici j'ai orange et ici j'aurai un bleu. C'est tout. C'est le seul truc auquel je fais un petit peu attention. Mais bon, c'est vraiment facultatif. Alors, on prend notre sixième morceau. Vous prenez un coin, l'endroit face à vous. Tiens, on va prendre le coin où j'ai mon petit bout de laine. Et... Pardon, je fais un jeté et je rentre et je vais faire 3 mailles, 3 brides, excusez-moi, à chaque fois je dis 3 mailles. 3 mailles. Ensuite, regardez, je retire et je positionne, regardez, comme ceci, vous voyez. Et vous venez ici, dans l'espace ici, vous rentrez. Comme ceci, et vous faites une maille. Maintenant, je fais un jeté et je viens dans l'espace suivant. Je retire et regardez dans l'espace qui suit, je viens et je fais une maille serrée. Et je continue. 3 brides, je retire, je viens dans l'espace qui suit, en face, je fais passer une maille serrée. Donc vous voyez, c'est répétitif, il y a juste des petits points auxquels il faut faire attention. C'est quand on assemble ces coins-là. Donc, je viens... assembler une maille serrée, je viens en face faire 3 brides, je retire, je viens ici et je fais une maille serrée et dans l'espace suivant 3 brides, je viens assembler dans l'espace qui suit en face une maille et je suis à mon coin. Le coin, je fais 3 brides. Une maille. Je retire. Et vous voyez, j'ai mon coin ici. Je viens au milieu, ici. Je rentre.
Je tire et je fais une maille. Et je viens faire 3 brides. Donc, vous voyez, nous avons assemblé un côté. Maintenant, nous allons assembler ce côté-ci exactement de la même façon. On retire. Donc, je vous montre, vous voyez, juste en face. Ici, vous rentrez dans cet espace et vous tirez. Et vous faites une maille serrée. Un jeté et je viens dans l'espace suivant. Je retire, je vais en face, j'assemble et je viens faire 3 brides. J'espère que c'est assez simple pour vous les tricopines. Donc n'hésitez pas si nécessaire, donc je passe en face et je fais 3 brides dans l'espace qui suit. Je retire ma maille, je rentre dans l'espace et je fais une maille serrée pour assembler et je me mets en face. Donc vous avez remarqué que le côté où il n'y a pas de beige, je continue de faire mes brides. Et le côté où j'ai du beige, j'assemble. Voilà, ici, je rentre dans l'espace et j'assemble. Un jeté et je viens ici. 3 brides, je retire, je viens dans l'espace suivant et je fais une maille et je viens au sommet avec 3 brides et une maille. Ah pardon, il faut assembler donc ici le coin, voilà, et une maille. Donc voilà notre travail. Maintenant je vais vous dire l'étape suivante. J'espère que vous arrivez à voir. Donc maintenant, comme nous avons terminé ici, on vient ici dans l'espace suivant et on fait pour notre coin 3 brides, un jeté, et dans chaque espace nous allons faire des groupes de 3 brides. Ensuite, je vais vous expliquer oralement parce que c'est assez simple. Maintenant, on répète à chaque fois. Alors, on continue. Et j'arrive, regardez, au coin. Je fais mon coin, 1-2 mailles, et je fais encore dans le même espace 3 mailles, un jeté dans cet espace. Maintenant, vous allez continuer comme ça. Alors, je vais juste vous montrer encore une fois ici. Donc, dans chaque espace, 3 brides simples, un jeté. Vraiment, vous faites des brides simples comme ceci, un jeté, pas de chaîne de séparation du tout, c'est seulement pour les coins de mailles de séparation. Donc ici, et quand vous arrivez ici, regardez les tricopines, vous allez faire votre coin, donc 3 mailles, 1-2 mailles chaînettes, et ensuite vous venez de regarder dans l'espace ici. Vous rentrez, vous faites une maille serrée, une maille coulée, excusez-moi. 1-2 mailles, un jeté, et maintenant vous êtes dans cet espace-là, dans ce coin-là, et vous allez faire
trois brides dans ce coin. Comme ceci. Ensuite, dans chaque espace, vous allez faire des brides. Exactement comme nous avions fait à ce niveau-là. Vous allez répéter ce niveau-là. Donc, vous terminez. Ensuite, vous allez prendre votre carré, un nouveau carré. Vous allez assembler comme on a fait ici. Donc, d'abord, vous allez assembler un côté comme ceci. Ensuite, vous allez crocheter la bordure ici. Ensuite, vous allez prendre un autre carré et vous allez assembler exactement comme nous avons fait ici, regardez, de cette façon-là, ensuite ce côté-ci. Ensuite, vous reprenez un autre carré et vous allez donc assembler ce côté-ci, ensuite celui-ci. Ensuite, vous remontez, vous refaites tout le tour, comme ici, regardez, tout le tour. Et vous répétez à chaque fois le deuxième rang où nous avons assemblé notre quatrième, cinquième et sixième carré. Vous allez répéter encore trois fois. C'est-à-dire que vous allez avoir une, deux, trois, quatre, cinq rangées, cinq plutôt carrés granit square sur la longueur. Donc, vous répétez ce que nous venons de faire. Ici, donc, je me répète, excusez-moi, vous terminez votre rang. Ensuite, vous commencez à assembler vos trois morceaux. Vous refaites ce rang-ci tout le long. Vous reprenez, vous assemblez ainsi de suite. Donc, vous répétez, excusez-moi de me répéter, je sais que des fois c'est agaçant. Vous répétez donc cette partie-là. Encore trois fois. De façon à avoir une, deux, trois, quatre, cinq rangées. Donc, alors, nous avons, regardez, trois carrés. Et je vous avais dit d'assembler, regardez, une, deux, trois, quatre, cinq rangées. Donc, ce qui nous fait 15 carrés. 5 sur 3. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous êtes à ce niveau-là. Vous faites le tour comme ceci. Ensuite, vous continuez, regardez, de faire tout le tour comme ceci, exactement de la même façon que ici, comme je vous avais montré. Donc, vous faites le tour et ensuite, nous allons maintenant assembler les côtés. Pour cela, il va vous rester 4 granit square, 4 carrés. Regardez, j'ai fait un côté. Vous voyez, j'ai assemblé un côté. Les deux côtés se font exactement de la même façon. Vous voyez? Donc, maintenant, regardez. Vous prenez votre côté comme ceci. Vous prenez un petit carré. Alors, ici, nous allons assembler trois côtés. Nous allons assembler un côté, deux côtés, trois côtés. De façon à refermer notre sac. Donc, on fait une première maille comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, facultatif. Voilà. Vous prenez un coin et vous allez venir faire, vous rentrez dans votre coin et vous faites trois mailles. Un jeté et vous allez faire deux brides. Une. Deux brides. Une maille. Vous retirez. Regardez. Vous voyez, vous êtes comme ceci. Vous avez vos 5 carrés ici que nous avons assemblés. Vous allez prendre ici, vous avez votre premier, le deuxième. Vous venez ici.
entre le premier et le deuxième. Ici, regardez. Vous voyez, vous avez votre premier carré ici et le deuxième. Vous rentrez au milieu avec votre crochet. Vous venez comme ceci, récupérez votre maille et vous faites une maille chaînette. Dans l'espace ici, donc c'est notre coin, nous allons faire trois brides. Donc je dis bride, vous savez maintenant que ce sont des brides simples. Je retire et je prends, regardez, comme ceci, et je viens rentrer ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, regardez, je vais vous expliquer. Je vais assembler, comme je vous avais dit, un côté. Ça, le troisième carré ici, correspond au fond de notre sac. Donc ensuite, on va venir assembler comme ceci, regardez, avec le fond. Et ensuite, on va venir assembler avec notre deuxième côté. Vous voyez, donc on assemble un côté, le fond du sac, et on vient assembler avec la deuxième partie. Ainsi, vous voyez, notre sac commence à prendre la forme et il se referme, on va dire. Maintenant, ici, trois brides. Donc, vous voyez, rien ne change. C'est toujours la même chose. Je retire. Donc là, c'est simple. Donc ici, je vous explique plus, je vous explique les coins. Donc vous voyez, je suis en train d'assembler un côté pour l'instant. Je viens maintenant ici, regardez. Au coin, je fais trois brides. Trois brides, une maille. Et maintenant, je viens ici. Toujours, regardez, nous avons nos coins et on vient piquer au centre, comme ceci, une maille chaînette. Et je reprends mon carré et je continue. Je fais dans le même espace mon coin, donc trois brides. Maintenant, comme je vous ai dit, ici, ça va être le fond de notre sac. On va donc, une fois que vous avez fait vos trois brides dans votre coin, on a fait un groupe de trois, on a assemblé, maintenant on a fait notre deuxième groupe de trois et on continue. Regardez, je tourne comme ceci, je suis à une, deux, troisième carré, je rentre et voilà, et je continue d'assembler. Une maille et je vais dans leur en face. Donc là, je m'attarde plus. Je pense que vous avez suffisamment compris. Je vous montre les points importants qui sont maintenant nos coins.
Et je suis de nouveau regardée au coin. Le coin, donc je fais mes trois brides. Trois brides. Alors là, est-ce que j'ai fait une maille chaînette que j'aurais pas dû? Oui. Non, c'est parfait. Non, c'est ça. J'assemble, hop, et je fais une maille, donc je viens au coin. Je fais mes trois brides. Une maille chaînette et je viens ici, toujours regardez, au centre du coin et je pique au centre. Ici, vous voyez, nous avons notre groupe de trois, pour les nos deux groupes de trois brides pour les coins et je viens moi au milieu. Je rentre mon crochet, je récupère ma maille, je passe à l'intérieur une maille chaînette et je viens prendre mon petit carré que je suis en train d'assembler et je fais mon coin. Nous avons assemblé deux côtés. Ici, regardez, vous allez être comme ceci, c'est tout à fait normal. Et maintenant, on va regarder. Vous voyez, nous avons ce résultat-là. Et maintenant, on va assembler ce côté-ci. Je retire, regardez. Je vais dans mon espace ici. Vous voyez là, vous continuez, vous êtes dans la continuité comme ceci de votre travail. Ainsi, je suis en train d'assembler le troisième côté de mon carré. Toujours la même chose. J'arrive au coin ici, donc je fais mes trois brides, une maille chaînette et je viens ici, vous voyez le coin toujours au milieu, je rentre mon crochet, je fais une maille et maintenant je fais mes trois brides et je vous montre. Voilà ce que nous avons fait. Vous voyez, nous avons fait ceci. Nous avons assemblé un côté, ensuite le fond de notre sac, ensuite le deuxième côté, on va dire, de notre sac, comme ceci. Et ainsi, vous voyez, nous avons donné cette forme à notre sac. Et maintenant, je vais compléter ce côté avec les brides. Et le dernier carré qui nous reste, nous allons faire exactement la même chose. Nous allons le faire ensemble. De façon à ce que vous, vous puissiez faire le côté de votre côté.
Donc, on arrive, regardez le côté. Vous vous souvenez, le côté, on l'avait fait avant de commencer. Ici, donc, un jeté, pardon, pas de jeté. Je viens directement au sommet de ma troisième maille, ici, comme ceci, et je fais une maille coulée. Je passe, regardez, dans l'espace suivant. Je fais une maille coulée et je viens ici, au milieu, regardez, de mon coin et je fais une maille coulée et ensuite je fais une maille chaînette et je coupe. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième ensemble. Donc, exactement de la même façon. Je rentre, je vais faire ma petite maille. Je viens ici, au sommet, au milieu, pardon, de mon coin et je fais trois mailles. Ensuite, je vais faire deux brides. Une. Deux brides. Au total, ça me fait trois, une maille. Maintenant, nous allons assembler donc ces trois coins. Vous voyez, vous êtes comme ceci. 1, 2, 3. On part cette fois-ci ici du sommet de notre carré. Je rentre, regardez, je récupère ma maille et je fais une maille chaînette. Et je vais faire dans le même espace trois brides. 1, 2, 3 brides. Je sors et je viens, regardez, sur ce côté-ci, je récupère, je viens ici, je fais une maille, et maintenant, donc, je vais assembler toujours l'endroit, regardez, de vos carrés face à vous, toujours. Donc, j'assemble. Ici, je vais vite. Je vous montre que pour les carrés et les coins. Excusez-moi, à force de dire carré, coin. Moi-même, je me mélange. Mais en vérité, c'est vraiment très, très, très simple. C'est une façon d'assembler, vous voyez, sans avoir à couper notre coton à chaque fois. Notre fil. Regardez, je suis au coin. Je vais faire trois mailles, trois brides. Une, deux, trois brides. Une maille chaînette. Vous voyez ici, nous avons là où nous avons assemblé nos trois coins. Toujours au milieu. Je rentre au milieu. Je récupère ma maille et je tire. Je fais une maille chaînette et je viens faire mes trois brides dans mon coin, au même endroit. Ensuite, je tourne, regardez, toujours, je continue, je suis mon travail et j'assemble le deuxième côté. Je retire, je viens ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Une fois que vous avez compris la logique, ça va tout seul. J'arrive à mon troisième coin. Donc,
Ça, c'est mon troisième coin. Je fais mes trois brides. Une maille, chaînette, je retire. Je viens, j'ai une, deux, trois. Vous voyez mes trois coins au milieu, comme ceci. Vous rentrez votre crochet. Vous venez, vous le sortez, vous faites une maille chaînette et vous complétez votre coin avec trois brides dans le même espace. Vous retirez et maintenant on va assembler le troisième côté. Et on termine. Je retire, je me mets en face, une maille. Donc je continue et j'arrive à mon quatrième coin. Donc ici j'assemble. Donc le quatrième coin, je fais mes trois brides. Une maille chaînette et je viens regarder ici au centre de mon coin ici. Comme ceci, une maille chaînette et je vais dans le même espace faire trois brides pour former mon coin. Et maintenant, regardez, je termine mon quatrième côté. Vous allez faire exactement la même chose pour le deuxième côté. Donc vous reprenez la vidéo parce que je suis vraiment désolée, j'ai fait une vidéo que je pense qui est très très longue, j'ai pas envie de vous ennuyer. Donc vous reprenez et vous faites exactement la même chose. Pour le deuxième côté. Et ici, regardez, comme nous avions commencé avec notre coin, on l'avait terminé. Donc, vous faites vos derniers trois brides et ensuite, vous venez au sommet ici de votre maille. Troisième maille, vous rentrez, vous faites une maille coulée. Regardez, vous allez dans l'espace suivant, vous refaites une maille coulée. C'est juste pour venir au centre. Pour avoir un rendu qui est plus propre et ensuite vous venez ici dans l'espace une maille coulée, une maille chaînette et vous coupez. Voilà les tricopines, notre sac est presque, on va dire, terminé. Il n'est pas terminé bien sûr, nous avons encore notre bordure à faire, nous avons encore un peu de travail, mais vraiment vous allez voir, c'est un plaisir. Vous voyez, il s'est formé. Pouf, voilà, comme ceci. Et maintenant, donc, nous allons une fois que notre sac donc est assemblé, nous allons faire le contour ici. Vous allez commencer par un côté. Regardez, le côté, c'est là où nous avons, vous voyez, assemblé les deux parties et nous avons donné la forme à notre sac. Vous prenez votre coton, vous faites un nœud, vous voyez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et ensuite, ici, regardez, on rentre dans n'importe quel espace. Et on va faire une, deux, trois mailles. Et nous allons faire
3 brides, exactement comme nous avons fait jusqu'à présent, 3 brides. Dans chaque espace, 3 brides. Vous pouvez jouer avec les couleurs, c'est-à-dire vous pouvez faire, on va faire deux rangées. Vous pouvez faire une rangée avec une couleur, une rangée avec une couleur, ou alors si vous voulez, vous faites comme moi. Moi, je vais faire les terminaisons, on va dire les contours avec la couleur beige, qui est vraiment une très très belle couleur. Normalement, vous savez que je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. J'avais fait un débardeur avec. Alors, dans chaque espace, une, 3 brides. Alors, le seul petit détail, c'est pour nos coins ici. Vous voyez, nous avons notre coin. Je vais approcher un peu la vidéo. Donc, vous allez faire une bride dans cet espace. Une bride au point d'assemblage, on va dire, là où nous avons assemblé. Ici, au milieu, vous rentrez avec votre crochet, vous forcez un petit peu, voilà. Et une bride dans cet espace. Je vais vous montrer encore une fois. On continue. Donc, ensuite, dans chaque espace, 3 brides. Pas de maille de séparation. Donc, dans chaque espace, 3 brides. Et je vais vous montrer encore une fois pour ce coin-là. Dans chaque espace, 3 brides. Regardez, on arrive au niveau de notre coin. Notre coin, vous voyez, c'est ça. Donc, une bride ici. Une bride au milieu où nous avons assemblé les deux coins. Comme ceci, on rentre dedans. Une bride. Et la troisième bride dans l'espace suivant. Vous voyez, entre les deux groupes de trois bride, là ici nous avons fait deux mailles chaînettes et on fait une bride. Et ensuite on continue. Allez, je vous montre une troisième fois et ensuite je vous laisse continuer. Trois brides dans chaque espace. Donc vous savez que ce sont des brides simples. Je sais que vous allez mettre en commentaire. Ce sont des brides simples, donc à force de répéter. Donc maintenant, vous savez que quand je dis bride, ce sont des brides simples. Et je suis arrivée, regardez, au coin. Donc, une maille dans cet espace. Une maille au point ici où nous avons assemblé les deux coins. Une bride et une bride ici. Maintenant, vous allez continuer de faire le tour ainsi. Et ensuite, on va se retrouver pour faire le deuxième tour.
Vous continuez. Et... Alors, une fois que vous avez terminé, regardez votre tour. Ici, vous allez venir, regardez, une, deux, troisième. Au sommet de la troisième maille, vous faites une maille coulée. Ensuite, regardez, dans l'espace ici, vous refaites une maille coulée. Donc, le but est d'arriver au milieu ici, dans cet espace-là. Et ici, on fait une maille coulée. Et maintenant, je fais une, deux, trois mailles. Et je continue maintenant à faire mes trois brides, mes groupes de trois brides dans chaque espace. Donc, je fais encore un tour, comme ceci. Dans chaque espace, vous allez faire trois brides. Vous faites le tour ainsi et on va se retrouver encore à la fin du rang. Et à la fin du rang, nous allons faire des mailles des demi-brides. Je vais vous montrer. Voilà. Vous continuez ainsi votre deuxième tour et on va se retrouver à la fin du tour ici pour entamer le troisième tour. Si vous voulez, vous, un sac qui soit plus haut en hauteur, vous pouvez éventuellement regarder au total ici avec notre premier tour où nous avions, vous vous souvenez, nous avions fait nos groupes de trois brides et nous avions assemblé en même temps. En comptant celui-ci, ça nous fait une, deux, trois rangs. Si vous, vous voulez que votre sac soit plus profond, vous pouvez aller jusqu'à 4, 5 tours. Vous faites exactement les tours comme je viens de vous montrer, vous assemblez, vous faites vos mailles coulées et ensuite vous faites vos trois mailles, deux brides et ainsi de suite pour avoir plus de profondeur. Regardez, votre sac doit être comme ceci. Donc, c'est pas évident, c'est un gros projet de bien filmer. Donc voilà, votre sac il a cette profondeur. Je vous donnerai aussi en centimètres pour vous. Je suis arrivée à la fin de mon deuxième rang et je viens regarder une, deux, troisième maille ici et je vais faire une maille coulée. Je rentre dans l'espace qui suit, regardez, pour faire une maille coulée et encore une au centre. Je fais une, deux mailles. Alors, je vais faire une maille plutôt. Et maintenant, nous allons faire des demi-brides. Regardez. Je fais un jeté et je vais dans la maille ici. Ici. Comme ceci. Et je prends les trois mailles ensemble. Un jeté, je viens au sommet de ma maille. Comme ceci. Et je fais... Ce sont des demi-brides, un jeté et je rentre dans cet espace et je prends les trois mailles. Ensuite, ici, regardez, logiquement, je devrais rentrer dans cet espace, vous voyez ici, mais je ne vais pas faire ça pour ne pas avoir d'ouverture. Je vais venir rentrer, regardez, je ne rentre pas ici. Je ne rentre pas dans cet espace ici, vous voyez. Je vais venir rentrer au cœur de ma bride ici. Comme ceci, demi-bride. Un jeté. Et maintenant, je rentre, regardez, dans chaque... Décidément... Un jeté et je rentre dans cet espace et je prends les trois mailles ensemble. Ici, je vous montre encore une fois, je ne rentre pas ici. Pourquoi? Si je fais ça, je vais avoir une toute petite ouverture et je ne veux pas avoir cette ouverture. Donc, vous voyez là, la bride, je rentre au cœur. C'est seulement pour ce coin et je prends les trois. Ensuite, regardez,
Je rentre dans l'espace ici et je fais une demi-bride. Un jeté et je rentre dans cet espace, une demi-bride. Ici, je ne rentre pas ici, mais au cœur de la bride, ici. Et je fais une demi-bride. Un jeté, je rentre dans l'espace suivant, je prends mes trois mailles ensemble. Un jeté, je rentre dans l'espace suivant, je prends mes trois mailles ensemble. Je vous montre encore une fois. Je ne rentre pas dans cet espace, mais au cœur de ma bride, comme ceci. Et je prends les trois ensemble. Je vais au sommet, un jeté, les trois mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi pendant trois rangs. Ensuite, regardez, une fois que vous avez fait votre premier rang, au deuxième rang, la question ne se pose pas. Vous rentrez, regardez, dans chaque espace comme ceci et vous faites vos demi-brides. C'est seulement pour le premier rang où, regardez, ici on ne rentre pas dans cet espace mais au cœur de notre première bride ici. Ensuite, dans l'espace suivante, je fais une demi-bride et une demi-bride. Donc ici nous avons trois brides et sur ces trois brides, je fais trois demi-brides. Un jeté, je rentre au cœur de ma bride ici et je fais une maille, une demi-bride. Je rentre ici, deuxième demi-bride, un jeté dans le troisième espace, une troisième demi-bride. Alors, ce petit détail, c'est que pour le premier rang. Le deuxième rang, regardez, c'est très simple. Vous rentrez dans chaque espace que vous voyez. Et vous allez faire pendant trois rangs. Ça, c'est notre premier rang. Donc, vous voyez ici, vous avez votre bride. Et vous rentrez au cœur de votre bride, comme ceci. Et vous faites une demi-bride. Un jeté dans l'espace qui suit, les trois mailles ensemble. Un jeté dans l'espace qui suit. Donc, un jeté et je rentre au cœur de ma bride. Ensuite, deuxième demi-bride, troisième demi-bride. Vous allez donc continuer. Je vous montre encore une fois et ensuite vous allez pouvoir continuer. Je ne rentre pas dans cet espace dans la première bride et je fais une demi-bride. Un jeté dans l'espace qui suit, un jeté dans l'espace qui suit. Regardez, c'est seulement au début de mon groupe de trois brides. C'est seulement au début que je fais cela. Je rentre, je fais une bride, une demi-bride, un jeté, ensuite regardez dans l'espace qui suit une demi-bride, dans l'espace qui suit une demi-bride. Ici regardez, j'ai mon groupe de trois brides, donc première bride, je rentre au cœur de la première bride et ensuite je rentre dans chaque espace. Vous voyez ces espaces ici qui se voient bien, je rentre dedans et je fais une bride. Vous allez donc continuer. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est valable que pour le premier rang. Ensuite, au deuxième et au troisième rang, vous allez rentrer dans chaque espace. Ici, regardez. Là, 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 et ainsi de suite. Donc vous allez faire encore deux rangs après avoir terminé celui-ci. Et ensuite, on va commencer à faire des mailles serrées. Et ensuite, nous allons passer. Alors, je voulais vous montrer comment on fait le passage au niveau suivant pour nos demi-brides. Donc, moi, je suis à mon deuxième rang. Vous arrivez à la fin de votre rang, comme ceci. En fin de compte, vous faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais vraiment, je montre pour les débutantes. Vous voyez, donc, je suis arrivée à mon dernier espace. Je rentre, regardez. Ici, donc, je termine mon rang
comme ceci. Je fais une maille, un jeté, et dans cette même espace ici, je fais une demi-bride. Un jeté, dans l'espace suivant, une demi-bride. Un jeté, dans l'espace suivant, une demi-bride. J'ai une de trois mailles, je prends les trois mailles ensemble. Un jeté, les trois mailles ensemble. Moi, je suis à mon troisième tour. Je viens de commencer donc le troisième tour. Vous faites ainsi et on va se retrouver donc pour faire, comme je vous ai dit, une rangée de mailles serrées et ensuite on fera le reste bien sûr ensemble. Alors, je termine mon troisième rang de demi-brides. Comme ceci, regardez. Et ici, je viens faire une maille serrée. Maintenant, nous allons faire des mailles serrées. C'est-à-dire, alors ici, moi, je fais toujours une maille chaînette. Comme ça, comme je connais, quand j'arrive, comment dire, à la fin de mon rang, je sais que ici, je suis à la fin de mon rang. Donc, regardez. Tout de suite, dans l'espace qui suit, ici, regardez, je fais une maille serrée. Une maille serrée, je rentre dans le trou, je ne fais pas de jeté, regardez, je rentre dans le trou. Un jeté, j'ai deux mailles, je prends les deux mailles ensemble. Et je vais faire ceci. Vous pouvez éventuellement mettre un anneau marqueur ici pour savoir que vous êtes en début de rang. Et vous allez faire tout le tour ainsi. Donc, vous faites le tour et on se retrouve pour la suite. On arrive à la fin de notre rang de points serrés. Moi, j'ai mis un anneau marqueur juste pour me dire que là, j'arrive en fin de rang. Donc, je l'enlève. Je viens, regarder, faire une maille coulée, une maille chaînette, et ici je continue, regardez, à faire mes mailles serrées. Donc ici je mets l'anneau marqueur. Maintenant nous allons voir où nous allons mettre nos anses. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Dites-moi si je me trompe. Voilà. Regardez. Voilà. Nous avons 1, 2, 3 carrés au milieu, un de chaque côté, regardez, une demi, on va dire, comme c'est plié, et 3 derrière. Donc, on va prendre comme référence ici. Tout dépend de la largeur que vous souhaitez. Donc, vous prenez vraiment, si vous avez des anneaux marqueurs, prenez des anneaux marqueurs, sans quoi vous prenez des petits bouts de laine, vous en coupez 4 petits, c'est juste pour marquer là où nous allons commencer à faire nos anses. Voilà. Donc, vous voyez ici le carré du milieu, on va partir sur celui d'à côté et ici nous avons, regardé, nos bordures, ici nos côtés. Ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4 mailles. 4 groupes, pardon, de 3 brides. Nous avons notre côté. 1, 2, 3, 4 brides. 4 groupes de 3 brides. Excusez-moi, je bug. Vous venez au milieu. Regardez, comme ceci. Vous avez votre côté. Vous avez 1, 2. Ou alors, avec votre côté, ça vous fait 1, 2, 3 groupes de 3 brides. En comptant un côté, regardez. Si vous ne voulez pas compter, vous laissez votre côté ici en attente et vous vous basez sur 1, 2. Ici au milieu, vous voyez, vous venez comme ça, vous remontez avec votre crochet et vous venez faire
un petit marqueur. C'est-à-dire que vous allez voir, on va faire les anses à ce niveau-là. Vous faites exactement la même chose de ce côté-ci. Vous laissez votre carré du milieu et vous partez là. Vous avez regardé votre coin. Je vais peut-être rapprocher un peu pour que vous puissiez mieux voir. Nous avons notre coin et ensuite nous avons un, deux groupes de trois brides. Je vais, regardez, une, deux, au milieu, ici, vous voyez. Vous remontez comme ceci avec votre crochet et en haut, vous rentrez votre crochet. C'est pas grave si c'est pas exactement le milieu, les tricopines, ça ne change rien. Et je fais un tout petit nœud pour ne pas perdre. Et vous faites exactement la même chose pour le dos. Enfin, le dos, oui. L'autre côté de votre sac. Vous partez, regardez, vous avez votre coin ici. Le coin, j'ai dit de côté, mais c'est le coin. Vous avez votre coin ici. Et après votre coin, vous avez une, deux. Regardez, deux groupes de trois brides. Regardez, tout le long, ici aussi. Donc, vous remontez comme ceci. Regardez, vous positionnez votre crochet au milieu et vous remontez et vous allez dans un espace ici. Et vous mettez votre petit marqueur. Vous pouvez mettre des anneaux marqueurs. Moi, j'ai mis ça juste comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des petits bouts de laine. Et je fais juste un nœud pour ne pas perdre. Et ensuite, je fais exactement pareil. Je laisse le carré central et je viens ici. Regardez, vous pouvez même vous repérer par rapport à votre coin. Regardez ici. Vous voyez, nous avons notre coin ici. Ensuite, après le coin, nous avons un, deux groupes de trois mailles. Et ici, regardez, au milieu, après ces deux groupes, une, deux, je positionne mon crochet comme ceci au milieu. Regardez, et dans la continuité, ici, à peu près, je marque. Je vais vous donner, si vous voulez, en centimètres, l'espace que j'ai entre les deux. Et je fais un petit nœud. Ce qui me fait à peu près en centimètres, si vous voulez, 15, à peu près 20 à 21 centimètres entre ces deux côtés. Maintenant que nous avons marqué, donc on continue à faire nos mailles serrées. Jusqu'à là, nos marqueurs, je vais continuer de faire mes mailles serrées. Donc j'approche, regardez, du marqueur. J'enlève mon marqueur. Et maintenant, regardez, je vais faire 90 mailles. Alors, tout dépend de la longueur que vous souhaitez. Si vous voulez porter votre sac sur votre épaule, vous faites comme moi, vous faites 90 mailles. Si vous voulez le porter comme un cabas dans votre main, faites à peu près 40 mailles. Regardez, ne faites pas trop serrer vos mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne serrez pas trop parce qu'ensuite, nous allons rentrer dans ces mailles pour faire des mailles serrées. Donc,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 50. 6, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite, je continue, regardez. Vous voyez à peu près, regardez la longueur que ça vous fait. Et ensuite, je viens ici, regardez où j'ai mon anneau marqueur, je rentre. Vous pouvez rentrer avant ou après l'anneau marqueur, vraiment c'est pas une, comment dire, une science exacte, ça n'a aucune importance et vous faites une maille serrée. Maintenant, vous continuez de faire vos mailles serrées jusqu'à votre prochain anneau marqueur. Donc vous continuez comme ceci jusqu'ici. Quand vous arrivez ici, vous refaites exactement la même chose. Vous faites 90 mailles chaînettes et ensuite vous venez faire une maille serrée ici et vous terminez. Donc j'ai fait regarder les deux côtés pareil. Et maintenant je suis arrivée en fin de rang. Donc je fais une maille serré, j'enlève mon anneau marqueur et je viens regarder terminer mon rang en faisant une maille coulée, une maille, et je rentre dans le même espace et je place mon anneau marqueur qui peut être un petit bout de fil aussi. Ensuite on continue, regardez, de faire nos mailles serrées. Nous avons presque terminé, il nous reste encore quelques rangs. On continue de faire nos mailles serrées. Regardez, là, et nous avons ici, regardez, notre avant-dernier espace, et ensuite nous avons notre chaînette. Ce que nous allons faire ici, regardez, je rentre dans le dernier espace et je laisse comme ceci. Vous voyez, je rentre et je ne ferme pas ma maille, ou du moins je ne forme pas ma maille serrée. Ensuite, regardez, je vais dans la maille chaînette ici qui suit. Tout de suite après, je rentre dedans et j'ai trois mailles et je prends ces trois mailles. Exceptionnellement à ce niveau, nous faisons cela. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un anneau marqueur parce que tout le long nous allons répéter cette opération. Et ensuite, regardez, vous rentrez dans chaque espace et vous faites une maille serrée.
C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas trop serrer, de façon à pouvoir travailler comme ceci facilement. Vous rentrez dans chaque maille et vous faites une maille serrée, comme ceci. Voilà, vous allez continuer ainsi et une fois que nous allons arriver ici à la fin, ici. Regardez, je suis arrivée à la fin, j'ai fait mes mailles serrées et ici, regardez, nous sommes dans le dernier. Regardez, vous voyez notre dernière maille. Je rentre dedans. J'ai deux mailles, regardez, je laisse sur mon crochet ces deux mailles. Ensuite, je vais regarder dans l'espace ici. Je rentre et là, je prends les trois mailles ensemble. Pourquoi nous faisons cela? Vous allez voir, c'est pour avoir vraiment un joli rendu, pour ne pas que à ce niveau-là, ça se plie. Vous voyez? Le résultat est vraiment nickel. Et maintenant, vous continuez de faire vos mailles serrées jusqu'à votre prochain anse. Et ensuite, vous faites vos mailles serrées. Et quand vous arrivez, regardez, ici, vous allez aller dans cet espace. Ici, regardez, là, votre dernier espace. Vous allez faire donc comme si vous faisiez une maille serrée. Vous laissez les deux mailles sur votre crochet. Ensuite, regardez, vous venez dans la maille ici. Vous faites la même chose et vous prenez les trois mailles ensemble, exactement comme nous avons fait ici. Vous voyez? Et ensuite, vous relevez les mailles. Enfin, vous faites vos mailles serrées sur votre maille chaînette et arrivez ici, vous rentrez dans la dernière maille ici et ensuite ici et vous prenez vos trois mailles ensemble comme nous venons de faire maintenant ici. Et ensuite, vous faites le tour. Quand vous arrivez de nouveau à ce niveau, vous allez faire la même chose. On va le faire ensemble. On va faire ici ensemble. Donc, terminez votre tour et quand vous arrivez à ce niveau-là, on va le refaire ensemble et ensuite vous allez pouvoir continuer à faire. Voilà les tricotines. Donc, j'ai fait 5 rangs au total avec au point serré. Donc, voici nos anses. On peut même faire regarder un joli débardeur comme ceci avec ce joli point. Donc voilà notre sac. Une fois que vous arrivez ici, vous terminez votre rang en faisant une maille coulée, vous en faites encore une maille et vous coupez. Et vous avez terminé. Il ne restera plus qu'à rentrer le fil. Donc on va le faire, ça c'est mieux de le faire à l'aide d'une aiguille à laine, ça sera plus simple. Vous faites passer comme ceci à l'intérieur, ça sera plus propre. Et donc ici, j'ai dû passer à ma deuxième pelote, les tricopines. Si vous voulez pas, regardez, c'est à partir de là. Donc j'ai dû passer, mais vraiment je m'en suis servi très 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 peu. Ensuite, vous nettoyez tous vos bouts de laine. Vous coupez, vous nettoyez tout. Vous nettoyez et voilà votre sac. Donc c'est pas évident de le montrer,
en entier. Voilà les tricotines, nous avons vraiment regardé un très 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 joli sac, comme ça on voit un peu mieux. Voilà le sac, le fond de notre sac, ça c'est le milieu, ça ce sont les côtés, voilà la bordure, les anses. Donc si vous les voulez plus longs, vous pouvez, on avait fait 90 mailles, vous pouvez aller jusqu'à 100 mailles chaînettes si vous voulez que ce soit plus long, mais moi je pense que c'est pas nécessaire. Alors en centimètres, ici nous avons 2 centimètres, un petit peu plus de 2 centimètres. Un carré, je vais vous donner les dimensions d'un carré sans faire la bordure avec la couleur crème et cru, plutôt beige, plutôt, c'est plutôt du beige, hein. Sans faire le contour, j'ai 10 cm. Mon carré fait à peu près 10 cm. Donc c'est 10 cm sur 10. Le carré. Donc là où nous avons regardé assemblé avec la couleur beige, ça fait 2 cm. Ce qui fait que là, pour le devant, cette partie-là, nous avons 10, 20, 30, 32, 34, 35, 36 cm à côté de notre sac. La face plutôt de notre sac, le côté c'est ici, donc le côté vous avez 10, 11, 12 cm, ce qui fait, voilà, 12 cm, et le fond fait aussi 12 cm, parce que nous avons 10 cm ici, pour notre carré, plus 1 cm de bordure avec la couleur beige, donc ça nous fait 1 cm de chaque côté en plus, 12 cm. Et en hauteur, hauteur totale, je vais vous dire ça, 15, 30 cm, 32 cm de hauteur totale en comptant, en comptabilisant le fond, regardez, de notre sac, sans quoi ici nous avons 10, 20, 22, 23 et la bordure 27 cm en tout ici. Voilà les tricopines et les tricopins, nous avons terminé notre sac. Vous pouvez très bien, moi je vous conseille vraiment de faire une doublure parce que regardez comme c'est des granit square, nous avons des trous. Des trous, et quand vous allez mettre par exemple, supposons que vous allez mettre votre crochet, regardez, peut sortir par les trous. Donc, vraiment, si vous avez, bon, je suis pas douée pour la couture vraiment, donc je vais pas vous expliquer comment faire une bordure, mais vous pouvez aller vraiment au plus simple. Vous pouvez prendre par exemple un vieux t-shirt que vous avez, c'est à ça que j'ai pensé. Vous prenez un vieux t-shirt, vous coupez sous les manches. Supposons que ça c'est un t-shirt, supposons, donc vous coupez sous les manches comme ceci, vous faites une couture, bon vous avez certainement les coutures sur le côté, vous passez ça à l'intérieur et vous pouvez faire tenir soit à la main, soit à la machine, regardez là où nous avions fait nos demi-brides, c'est pas la peine d'aller ici, vraiment à ce niveau-là, vous faites vraiment un truc très simple. Vous pouvez mettre à l'intérieur. Vous pouvez utiliser vos vieilles robes, vos vieilles jupes dont vous ne vous servez plus. Vous coupez et vous faites une jolie doublure. Voilà les tricopines et les tricopins. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopins, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.